Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle tondeuse à gazon électrique de Parkside, la PRM 1300A1. C'est un produit qui devait sortir lundi et finalement il était disponible dans mon Lidl dès ce vendredi. C'est un produit que j'ai payé 50€. Alors la puissance 1300 watts, une largeur de coupe d'environ 32 cm, ça sera destiné à des petites surfaces de travail. La hauteur de coupe 20, 40 et 60 mm, la capacité du bac collecteur 30 litres. C'est un turbo power moteur de 1300 watts. Le produit est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, des éléments de montage et la tondeuse à gazon. On va mettre la poignée. On va clipser le bac à herbe. Là, je vais me mettre sur la hauteur la plus grande. Il n'y a plus qu'à mettre les deux vis. Il n'y a plus qu'à mettre les sarcables. Et là, vous voyez la tondeuse. On est sur des roues un petit peu moins de 14 cm. Au niveau du bac de ramassage, vous avez un indicateur de remplissage à ce niveau-là. Quand ça sera fermé, c'est que ça sera rempli. Une poignée. Au niveau de la tondeuse, vous avez une poignée de transport. Ici, vous mettez le bac de ramassage d'herbe. Par contre, elle n'est pas fournie avec un obturateur qui permettrait de faire mushling. Donc, au niveau de la lame, c'est une GDB 6 MBX. Si j'en trouve, je vous mettrai en description de la vidéo. Alors, par contre, je ne vois pas de levier concernant la hauteur de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il faut pousser, vous voyez. Il faut pousser la roue pour régler la hauteur de coupe. Là, je suis en hauteur de coupe 60 mm. Et là, je suis en hauteur de coupe 40 mm. Bon, c'est un système pas très pratique. Vous voyez, si vous êtes amené à changer régulièrement de hauteur de coupe, ça risque de pas être très pratique. Hein. À ce niveau-là, vous avez un bloc câble. Et ici, pour connecter. Le bouton de sécurité et d'enclenchement. Alors, petite chose qui m'interpelle, on verra si c'est gênant lors de la coupe au niveau des bordures, c'est que la largeur à ce niveau-là est un petit peu plus petite que la largeur au niveau des roues arrière. Donc on verra si c'est gênant ou pas au moment de la coupe bordure. Vous voyez, à ce niveau-là, on est à peu près sur du 34 cm. Et à ce niveau-là, on est à peu près sur du 39 cm. Là, c'est une tondeuse, on est à peu près sur du 40 cm. Et la partie arrière, à peu près 40 cm. On verra lors du test si c'est gênant ou pas. On va faire un petit test. Malheureusement, l'herbe n'est pas très haute. Et par ici, j'ai le robot tondeuse Aldi qui travaille. Je vais faire 40 mm et après je vais voir si je peux faire 20 mm. Mais bon, de manière générale, 20 mm, j'ai jamais réussi avec une tondeuse. Donc 20 mm ça pourrait passer, mais comme j'ai pas un terrain suffisamment droit, bah là je vais l'abîmer en fait. Vous voyez, finalement au niveau des bordures, je pense pas que ça soit très gênant.
Oui, au niveau du bac de ramassage, pas de problème, bon remplissage. Là, vous voyez la coupe. Là, je suis sur une herbe qui fait à peu près 10 cm. On va voir 40 mm ce que ça va donner. Vous voyez, donc 40 mm, ça va. Je vais aller de l'autre côté, et là j'ai de l'herbe un petit peu plus haute. Et on va voir comment ça se passe. Ça dépasse même les 20 cm. Je me suis mis à 60 mm. Vous voyez, là on est largement plus de 20 cm. Bon, écoutez, j'aurais pas pensé, mais au final, vous voyez, même sur de l'herbe assez haute, en 60 mm, ça passe. Si vous avez du retard sur votre première tonte de l'année, ça pourra le faire. Voilà pour la petite plantation de la tondeuse 1300 watts de Parkside. Donc, au niveau des avantages, le prix, 50 €, la garantie de 3 ans, la bonne performance. Vous voyez, même sur de l'herbe assez haute, bah, finalement, en 60 mm, c'est passé. Au niveau de la récupération de l'herbe, pas de problème. Le bac de ramassage se retire et se remet facilement. Au niveau de la poignée, on a une bonne résistance. Elle s'est simplement retirée une fois, j'avais du mal à la clipser en fait. Et depuis, finalement, elle ne s'est jamais re-retirée. Au niveau des points négatifs, le système de réglage de la hauteur de coupe, c'est un système individuel. Si vous êtes amené à régler souvent la hauteur de coupe, bah, ça risque de devenir rapidement fastidieux. Il n'y a que deux hauteurs de coupe, parce que les 20 mm, la plupart du temps, ça va être vraiment très compliqué, et on n'aura que 40 et 60 mm. Également, cette partie-là est fixe, c'est-à-dire que si vous voulez la plier, par exemple pour le rangement, vous ne pouvez pas. Également, si vous voulez ajuster en fonction de votre taille, vous ne pouvez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.